Aujourd'hui, on va évoluer. La mascotte, l'air de jeu, le buffon, ça, c'est très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est Voltron. C'est qu'on va aller rider Voltron. On est dans la navette. On va rider Voltron. Ça y est, on est dans le parc. On est dans le parc. C'est le calme avant la tempête. On arrive enfin au niveau du quartier croate. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte. Oh. Wow. Eh bien, salut à tous, bienvenue ici à Europa Park. Évidemment, Europa Park, on allait venir cette année parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Et en particulier, un coaster qui fait très très envie, qui s'appelle Voltron et qui est juste devant nous, droit devant. Par ici là. J'ai hâte, très hâte de découvrir ce coaster et puis de faire découvrir un petit peu l'ensemble du parc aussi. Oui, parce que c'est ma première fois. Évidemment, c'est ta première fois. Donc on est là 2 jours pour en profiter un maximum. Et on démarre bien entendu avec Voltron. Évidemment, notre visite de Voltron commence par un magnifique parc à bœufs qui est bien entendu provisoire, le temps que l'effet nouveauté soit passé, bien entendu. On va très prochainement découvrir la vraie file d'attente qui, elle, me semble-t-il, est bien thématisée. Par contre, Voltron a un petit peu de retard au niveau de l'ouverture, un peu de retard à l'allumage aujourd'hui, puisque là, il est 9h10 et aucun train encore n'est passé, sachant que tous les autres coasters tournent déjà comme sur des roulettes. Donc bon, après voilà, forcément, c'est toujours possible qu'il y ait... Ah bah voilà, il suffisait que j'en parle. En fait, il y a un train qui passe. Parfait. Bon, il est encore en test, hein. Il n'y a personne dedans, mais c'est quand même plutôt bon signe. Et ouais, c'est clair que ça fait sourire. Alors j'ai vraiment hâte de me poser mes fesses dessus. Qu'est-ce que ça va être bien. Je suis convaincu que ça va être bien. Ça a tout pour, en tout cas. Thank you.
Déjà tout décoiffé. On ressort de notre premier tour de Voltron. Alors évidemment c'est compliqué avec un seul tour de se faire un avis définitif sur la bête. On a été à un emplacement précis du train. On fait le coaster le matin, il est encore un peu froid. Mais je reste un petit peu sur ma faim, sur ce premier tour en tout cas, de mon côté. Toi t'attends de le refaire carrément. Alors moi je reste pour l'instant sur ma faim. On était au dernier rang, moi j'étais sur la place extérieure à droite. Et je trouve que l'enchaînement des inversions, des éléments, c'est une manière assez saccadée. On ressent quand même des petits à-coups à droite à gauche. Il n'y a pas de vibration méchante, il n'y a pas d'inconfort en soi. Mais ça manque clairement de fluidité dans les enchaînements. Mais ça reste quand même un très bon coaster. Et moi je suis impressionné pour l'instant de la thématisation et notamment la partie intérieure de la file. C'est super impressionnant, c'est super prenant, c'est extrêmement bien fait. Donc ça là-dessus c'est validé. Sur le coaster en lui-même, et ben écoutez, on va explorer un petit peu la zone, faire quelques plans. Et on va évidemment le refaire à plusieurs reprises durant ce séjour, j'espère le plus possible, mais on va quand même essayer de profiter un petit peu du reste du parc également. Thank you.
on est quand même là 2 jours, donc l'objectif ce n'est pas juste d'enchaîner Voltron, c'est évidemment de refaire un tour de l'ensemble du parc, de refaire les meilleures attractions, les meilleurs coasters, les meilleurs dark rides, etc. Comme j'ai dit en introduction, c'est vraiment de faire découvrir aussi tout ça à Emeline, parce que l'Europa Park c'est quand même quelque chose à découvrir vraiment dans son ensemble. Donc on va changer de zone, on va voir ce qu'on va faire maintenant, et justement regardons un petit peu les temps d'attente. Ça a l'air d'être plutôt tranquille pour l'instant. Le parc est très grand, donc on va pas se mentir, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. En 2 jours, on aura largement de quoi faire sans s'ennuyer. La vidéo va se décomposer du coup en 2 parties aussi, pour que vous puissiez redécouvrir vraiment le parc dans son ensemble. On a jeté notre dévolu sur Blue Fire, qui a 30 minutes d'attente. Je pense que c'est quand même plutôt correct, ça avance vite en général. Donc voilà, on va enchaîner comme ça, et puis ensuite on verra bien. Thank you.
dans le fond du parc et dans ce quartier un petit peu espagnol qui est pas forcément très attractif, il est vrai. On a quand même une attraction qui sort un petit peu de l'eau, qui est un petit flat, tout ce qui est un peu classique au demeurant, hein, c'est des petits bateaux qui tournent, mais il y a un intérêt, un côté interactif, une thématisation qui est vachement soignée sur ce flat, qui rend le truc quand même assez intéressant. Donc voilà, c'est les goélettes de Colomb, et bah, on va faire un petit tour. Ça a bien mouillé quand même. Tout le monde nous parle du restaurant Bamboo Bay à Europa Park, qui est, il est vrai, l'un des plus beaux restaurants, je pense, du resort. Et on y mange plutôt bien. On compose un petit peu notre bol de manière personnalisée. C'est l'avantage en tout cas de ce restaurant, c'est qu'on mange des choses qu'on ne mange pas d'habitude. Donc clairement, ça change du burger frites, du snacking basique, de la pizza, de la pâte, bref, tous les trucs vus et revus. Là au moins on mange raisonnablement en termes de prix, des choses qui sont plutôt qualitatives et qui sont clairement originales. À Rulantica, je n'ai pas fait de vidéo, mais je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite lors de ma visite précédente. C'était encore relativement récent, alors il n'y a pas toutes les attractions, toutes les dernières nouveautés, mais ça vous donne déjà un bon aperçu sur le parc. Mais à Europa Park, il y a aussi une attraction qui a ce thème de Rulantica, un petit peu pour faire la publicité du parc aquatique. Mais l'attraction n'en est pas moins réussie, et donc on va aller s'en faire un petit tour, puisque c'est juste ici dans la zone scandinave, sous nos pieds. Et ça s'appelle Snorri Turen. Le ciel s'assombrit quand même un petit peu, hein. On va pas se mentir, hein. Commence un petit peu à pleuvoir, c'est très léger pour l'instant, mais suffisant pour se dire tiens, si on n'allait pas faire un petit peu des attractions en intérieur. Mais c'est vers quoi on se dirige? Je sais pas qui parle là, mais c'est relou. Donc voilà, on se dirige vers Piraten et Batavia, qui est le meilleur park ride de ce parc.
trouve que le Dark Ride de Piraten in Batavia est toujours aussi beau visuellement. Il y a énormément de détails en termes de thématique. Franchement, moi j'adore. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah non, c'est bien. Non, franchement, le seul petit reproche que je peux faire, c'est l'animatronique de Roland Rack, c'était pas obligé. Franchement, ils se mettent vraiment partout dès qu'ils peuvent. Bon, ça devient un peu relou, clairement. Et là, vous le voyez peut-être derrière moi, mais on est au niveau du quartier français, puisque la pluie continue. Alors, un petit peu comme tout le monde, on cherche en priorité de faire des attractions en intérieur, en espérant que la pluie cesse à un moment donné pour reprendre notre visite de manière un peu plus normale. Mais du coup, on est en direction de Cancan Coaster, qui est le coaster indoor du parc, qui est aussi, lui, très sympa. Il a été rénové récemment. Et puis j'aime beaucoup, en tout cas, son esprit, son thème. C'est très fluide, bref. Sortons d'Eurosat Cancan Coaster, qui est très cool hein, d'ailleurs, toujours aussi bien. Et bien on continue. Dans cette même sphère se trouve Madame Freudenreich, un dark ride avec les dinosaures, qui est plutôt rigolo aussi, donc évidemment qu'on va s'en faire un petit tour. J'ai apprécié ce petit pas de danse, c'était vraiment bien. Une attraction que je fais habituellement à chaque fois avec le système de Fast Pass, puisque c'est la seule qui le dispose ici à Europa Park, c'est Voletarium. Mais du coup, à chaque fois, ça nous fait profiter d'une file d'attente un petit peu réduite. Et pourtant, la file d'attente de Voletarium est vraiment, vraiment excellente. Et donc, bah, cette fois-ci, on va y aller avec la file d'attente normale pour découvrir un petit peu ce magnifique Flying Theater et du coup sa file qui elle-même est vraiment super jolie.
essoufflé, j'en ai la larme. Ouais. Je disais qu'on touchait le fond tout à l'heure, mais en fait là on touche vraiment vraiment le fond du fond. Et oui, on a enchaîné plusieurs attractions intérieures, qu'elles soient qualitatives pour certaines, assez nulles pour d'autres. Mais bon, on se dit qu'il faut relativiser, la météo ne va pas changer d'ici la fermeture du parc. Donc là, bon bah, qu'est-ce qu'on fait ? On va se diriger vers quelques coasters, quelques petits crédits supplémentaires. Et je pense qu'on va retourner en zone suisse, qu'on avait traversée à toute vitesse tout à l'heure, pour aller nous faire un petit Matterhorn Blitz ou alors un petit bobsleigh, et pourquoi pas les deux. Bref, direction la zone suisse. C'est reparti pour un tour de Voltron, toujours sous la pluie bien entendu, mais ce n'est pas grave, on kiffe, on est là, c'est le plus important. Et il y a 30 minutes d'attente surtout, et ça, je pense que c'est assez rare pour le souligner, on était quand même à quasiment 3 heures, apparemment au plus haut de la journée ce matin à l'ouverture. Donc là, 30 minutes, ceux qui ont attendu plus de 2 heures, ils doivent s'en mordre les doigts quand même. Bon, le seul truc, c'est que Voltron est en panne, a priori. Bon, je pense que ça va redémarrer. Je n'ai pas de doute là-dessus, et Europa Park, on connaît leur efficacité et leur service client, donc je me fais pas trop de soucis. Mais en attendant, bah, on va attendre un petit peu sous la pluie. Un petit tour de Voltron pour terminer cette première journée et je vais pouvoir un petit peu commencer à vous en dire plus sur ce coaster malgré que deux tours soient encore un peu just pour se faire vraiment un avis définitif dessus. On a pu tester une autre place, cette fois-ci troisième rang, j'étais à l'intérieur, on a inversé en fait avec Emeline qui était à l'extérieur. Moi, je pense que nos avis nous se rejoignent un petit peu quand même, c'est-à-dire que c'est un bon coaster mais c'est pas un waouh, c'est pas... C'est un très bon coaster, juste, mais il a quelques défauts, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, tu veux développer un peu ? Bah oui, en fait, il est très très bien, de bonnes sensations, de bons airtime, enfin, incroyable sur tout ça, il est très intense et ça, c'est parfait. En fait, des à-coups. Mm-hmm. Les à-coups, c'est pas du tout agréable, ça vibre, surtout à l'extérieur. Mm-hmm. Intérieur un peu moins, mais extérieur beaucoup, et du coup, ça rend un peu moins agréable le ride, ouais. Quoi. Alors je sais pas si les gens ont apprécié t'entendre sur ton avis de Voltron aussi, ils ont juste été déconcentrés par le bruit de l'âne qu'il y a juste derrière.
Mais globalement, je suis assez d'accord avec toi. Il y a quand même quelques vibrations, quelques à-coups qui se ressentent. Moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est encore plus vrai, j'ai l'impression, plus j'avance en âge, plus j'avance aussi en expérience, c'est des coasters vraiment qui sont d'une fluidité sans nom, quoi. C'est ce que je recherche, c'est ce que j'apprécie le plus. Et Voltron, c'est clairement pas ça. C'est un bon coaster, en effet, il y a des bons airtime, les enchaînements sont assez intenses. C'est un coaster éprouvant, je suis d'accord avec les remarques qui ont pu être dites à droite et à gauche pour ceux qui l'ont déjà essayé aussi. C'est vrai, ça, c'est clair, je suis clairement d'accord, c'est un coaster éprouvant. Puisqu'il est long, puisqu'il est intense, il y a des jets un peu partout. Chaque élément, on va dire, propose quelque chose en termes de sensation, il n'y a pas d'élément inutile. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très cool. Mais par contre, ça manque de confort en termes de sensations quand le coaster est en marche, parce que ça vibrote, parce qu'il y a des à-coups. Et les enchaînements, c'est un petit peu ce que je disais ce matin, mais ça se confirme avec un coaster plus chaud. Ça reste quand même quelque chose d'assez saccadé en termes de sensations. Et on se fait un peu malmener, quoi. Pas forcément dans le bon sens du terme, du coup. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage sur ce coaster. J'adore la thématique, l'ambiance qui s'y dégage dans la salle. La file d'attente. Ouais, la file d'attente intérieure. Il y a une ambiance qui se dégage, qui est extrêmement forte et qui est aussi pesante, qui donne vraiment la sensation de se dire « Ok, on va vraiment faire un truc incroyable. » Et ça retombe un tout petit peu. Le soufflet retombe un tout petit peu quand on est dans le coaster. Parce que il est très cool, il est très très cool, vraiment. Mais je sais pas, je reste un petit peu sur ma faim quand même. Donc voilà, un petit peu mitigé sur ce Voltron, qui est un bon coaster, encore une fois. Je tiens quand même à le préciser, vraiment. J'ai un avis mitigé, mais il n'empêche que le coaster est très bon. Et je pense que il fait partie des meilleurs, en tout cas, d'Europa Park, ça c'est clair. On n'a pas encore fait tous les meilleurs crédits aujourd'hui avec aussi Vaudan qu'on n'a pas encore fait. Donc il faudra faire le bilan vraiment demain soir quand on aura fait le tour. Mais en tout cas, c'est la fin de cette première partie de la visite d'Europa Park, fin de ce premier jour sous la pluie. J'espère que demain, en tout cas, il y aura un meilleur temps. Mais il y a encore plein de choses à découvrir dans la partie 2 de la vidéo à Europa Park. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner pour être mis au courant, du coup, de la sortie de cette prochaine vidéo. Et puis, merci, en tout cas, d'être resté sur celle-ci jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, à très bientôt.